Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ma prochaine critique, je vais vous parler d'un film d'horreur, macabre même. Halloween approche. Italien d'ailleurs, sorti en 1981 et qui a fêté ses 40 ans, notamment le 14 octobre en France. Et c'est le jour où je l'ai vu. Total hasard, incroyable. Son nom, L'au-delà, ou en italien, Et tu vivrai nel terrore, l'aldilà. Réalisé par Lucio Fulci, dont je découvre l'œuvre ici avec apparemment son long métrage le plus culte, en mode série B, tourné aux États-Unis dans l'ombre de Dario Argento, et avec des actrices-acteurs pas forcément connus. On y retrouve Catriona McCall, David Warbeck ou encore Sarah Keller. Petit synopsis rapide, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Lisa et qui se rend en Louisiane pour hériter d'un hôtel, voilà, le Seven Doors Hotel. D'ailleurs, le groupe Europe, sur leur premier album, a fait une chanson avec ce nom, inspirée du film. Eh oui. Et donc, sur place, elle rénove, voilà, fait appel à des employés, il va se passer des choses étranges. L'un d'entre eux va être tué par une sorte de zombie qui sort du mur et tout. Et on comprend très vite, par l'introduction du film, en mode flashback dans les années 20, qu'il s'agit d'un artiste peintre qui peignait, voilà, une sorte d'œuvre démoniaque possédée qui a été tuée par les habitants locaux parce qu'ils pratiquaient, selon eux, la magie noire. Et donc, à partir de cet événement dans les années 80, donc retour vers le présent, il va y avoir d'autres attaques, possessions, on ne sait pas trop. Lisa va rencontrer un docteur qui va l'aider, hein, voilà, mais aussi une jeune fille aveugle avec son chien. Et ça va partir en cacahuète avec la découverte d'un livre, le livre d'Avon, en lien d'ailleurs avec des œuvres de Lovecraft. J'aime bien quand il y a une ambiance lovecraftienne dans les films, et ici, elle est là. Et c'est très violent par moments, ça fait un peu peur, mais c'est surtout assez vicieux visuellement. Et c'est un film qui m'a fasciné. Il est bougrement imparfait, il a assez mal vieilli sur certains effets. Le scénario est pratiquement, je vais dire, inexistant. Il y a des enchaînements de choses, mais voilà, un hôtel possédé, voilà, une malédiction, et puis sur place, la nouvelle tenancière va être prise au piège avec les gens qui l'entourent, des morts vivants, etc. Tous les ingrédients sont là pour se faire bien peur sous la couette le soir d'Halloween. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est un film qui ose pas mal pour l'époque, mais même avec des effets visuels qui, certes, certains sont assez inaboutis, mais qui... Lucio Fulci insiste dessus, notamment il y a une scène avec des araignées, ça prend son temps, paf, des gros plans, alors on voit les araignées mécaniques, on voit le maquillage très moche, mais il y a quelque chose qui te fait grincer des dents intérieurement, et d'autres moments plus poétiques, on est pas loin du surréalisme aussi, un travail sur les yeux, à un moment il y a un œil qui part, ça m'a rappelé le chien andalou de Buñuel. Il y a des moments phares comme ça dans le film qui sont très forts sur le plan de la mise en scène des moments macabres, qui fait que ce film, une fois fini, alors certes, l'histoire, voilà, les maladresses et tout, eh bien il m'est resté en tête. Et je fais cette vidéo 2 jours après, elle sera publiée encore plus tard, et ouais, je trouve que c'est un film qui marche totalement dans ce qu'il propose, malgré évidemment ses défauts, et aussi le petit budget, parce que ça a été tourné un petit peu à l'arrache, ils n'ont pas forcément eu les autorisations pour certains endroits, c'est presque un film pirate, qui a été plus ou moins interdit, notamment au Royaume-Uni, qualifié de violence et d'horreur pornographique, enfin, la totale quoi. Et ouais, mais c'est pour ça que c'est devenu une œuvre culte au fur et à mesure des années, parce que ici, il y a quand même une belle tentative, à mon avis, atmosphérique, je peux le dire comme ça, parce qu'au-delà des scènes macabres, voilà, vraiment, j'en dis pas plus, mais les araignées, les crucifixions et autres trucs, à un moment, pouf, ça empale, enfin, il y a ça, et aussi, il y a cette ambiance presque lovecraftienne, elle est là d'une manière ou d'une autre, voilà, qui va nous faire aboutir le film sur une conclusion assez passionnante, qui reste bien aussi dans l'esprit, j'en dis pas plus, mais en lien avec la peinture du début. J'aime bien quand un film comme ça place ses éléments et nous termine voilà, par ce qui nous a été plus ou moins teasé avant sans qu'on s'en rende compte. Et voilà, donc c'est un film qui va rester un petit peu en esprit. Alors, oui, c'est difficile en fait à classer dans mon appréciation de films d'horreur et tout. Mais quand un métrage comme ça, même s'il a des, on va dire, moments inaboutis, qu'il y a quelque chose d'inachevé, qui est un peu foutraque, un peu malade, c'est un film malade, dédicace à Romain Rambaud d'ailleurs, qui aime beaucoup ce genre de métrage-là et qui doit apprécier ce film, eh bien, quand un film comme ça, malgré ses
à côté un petit peu, voilà, tu retiens pas grand chose de l'histoire et c'est assez cliché et tout. Mais quand ça t'imprègne la rétine comme ça, ça m'a pas fait faire des cauchemars pour autant, mais voilà. Eh bien oui, c'est une œuvre marquante qui peut devenir culte et qui va au-delà de sa qualité intrinsèque, mise en scène, montage. Bon. Parce que ben, c'est ça. Quand un film d'horreur fonctionne, c'est pas forcément tout le temps parce qu'il va avoir une mise en scène brillante, un scénario alambiqué, hyper bien écrit dans sa narration et tout, mais il y a quelque chose qui reste de ce film-là. Et rajouter à cela une magnifique BO, voilà, une musique composée par Fabio Frizzi, qui parfois est en décalage, c'est ça qui est fort, mais qui renforce peut-être ce surréalisme-là, et qui met à l'ensemble une patte unique. Voilà. C'est un film assez unique, j'ai envie de dire. Même si des métrages série B un peu foutraque comme ça qui restent en tête, il y en a eu plein. Il y a quelque chose ici qui, pour moi, vaut le coup, et je vous invite à le découvrir, ce film. Très difficile de l'évoquer ainsi en impro ciné-critique. Comme vous pouvez le voir, je le fais avec la passion, le cœur et ce que j'ai ressenti. Mais il y a des moments, voilà, si vous êtes arachnophobe, si vous avez, comme moi, je sais pas, une peur, mais tout ce qui touche aux yeux, il y a oui, mais ce film, ouais, là-dessus, m'a fait son effet sur moi, comme vous pouvez le voir. Rien d'en reparler, comme ça, j'ai du mal à être fixé sur quelque chose. Un petit peu foutraque, cette impro ciné-critique à l'image du film. Mais ouais, ça fait partie de ces métrages, comme ça, que je reverrai à l'occasion. C'est intéressant, très très intéressant même, hein, le cinéma bis, comme ça, notamment italien. Il y a des petites œuvres, des petites perles un petit peu bordéliques comme ça, qui peuvent popper de temps en temps si on sait être curieux et chercher cela au bon endroit. D'ailleurs, il y a eu une réédition 4K et tout récemment, hein, donc c'est facilement trouvable, DVD, Blu-ray, tout ce que vous voulez. Blu-ray, je crois, pas 4K, enfin à vérifier, mais Blu-ray minimum. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce métrage, ce réalisateur, Lucio Fulci, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.